Alors on va aller découvrir cet hôtel. J'en prie. Merci. La cascade. Avec l'éclairage le soir, elle est superbe. Hein. Donc là, on va se diriger vers un restaurant c'est qui est un petit peu à part, qui est au bord de mer. C'est le restaurant Perroquet. D'accord. C'est un restaurant pêcheur. Il donne directement sur la plage. Superbe. Un petit verre pour la route. Bien sûr. Bonjour. Bonjour. Yacine, merci encore de votre hospitalité. Bienvenue. Ah, c'est un vrai terrain de football, c'est pas du synthétique. Non, c'est un vrai terrain de foot et professionnel. On a déjà accueilli beaucoup d'équipes nationales et internationales aussi. Et avec la vue mer. Avec la vue mer, oui. C'est pour cela, de temps en temps, celui qui tient le goal rate des buts parce qu'il s'occupe de la vue magnifique. Allez, je vais tirer un pénalty. Hein. Ça, c'est une vraie valeur ajoutée. Hein. Un terrain de football 6 en herbe devant la mer, ça, c'est incroyable. Alors là, on vient de pénétrer dans un endroit important. Ici, donc, côté chambre, côté animation, donc ce qui permet d'avoir le calme. Séparé, voilà. Alors, 4707, je suis un petit peu chez moi. Vous êtes chez vous. D'accord. Hein. Donc, vous laissez faire la visite. Bien sûr. D'accord. Et je dis ce que je pense. Tout Yacine. À fait. Ok. Et pour moi, c'est un vrai 4 étoiles, sobre, élégant. C'est vraiment superbe. Yacine, ça c'est le vrai centre de Thalasso. Là, on va passer visiter le centre de thalassothérapie. C'est haut de mer que je vous laisse le soin de visiter. Ok, bah, j'y vais. Merci Yacine. Yacine, merci encore. Merci à vous. Hôtel Leiko 4 étoiles à Djerba. Voici ma note, un excellent rapport qualité-prix.